ferme les bocages, 1950, et pourtant ça a eu payé. Ça paye plus. Depuis qu'il est à la retraite, Raymond Bonin passe ses hivers à confectionner ses santons et les mettre en scène dans ses tableaux qui montrent la vie à la campagne telle qu'elle était entre 1900 et 1950. Et là, c'est le champ de foie. Tout a commencé en 1991 par un échange qu'il a à l'époque avec son petit-fils. C'était à Noël. Alors il me dit, mais papy, on ne voit pas tes petites voitures. Ben, j'ai dit, les petites voitures, on n'en avait pas. Nos parents ne nous achetaient pas de jouets. On faisait nos jouets. Alors, comme mon père était agriculteur, on faisait les charrettes. Et puis après, j'ai dit, pas pareil, mais un début de retraite, mais il dit, que faire l'hiver, quand il fait mauvais temps? J'ai commencé à faire une charrette. Aujourd'hui, il a réalisé plus de 110 santons sculptés dans du bois brut. Tous ont leur petit nom, les animaux aussi. C'est allez faire ça, rigolo, allez bien. Tu vois, il mâche la parole. C'est avec impeccable. Beaucoup d'humour que Raymond partage sa passion pour l'agriculture d'antan. Il ne faut pas oublier que de temps en temps, il boit un petit coup quand même. Chacune de ces scénettes est animée. Au total, c'est une trentaine de moteurs qu'il a mis en œuvre pour donner vie à ses reconstitutions. Mais beaucoup de jeunes ont connu ça. Même pas le monde paille, parce que c'était une presse. Et là, c'était un tracteur qui tournait. Mais ça, moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai même porté les sacs le jour de bataille. J'ai bien connu tout ça. Hein. Quelque peu nostalgique de cette époque révolue, il a souhaité être le plus réaliste possible quant à la réalisation de ses maquettes. Ainsi, il fait découvrir ou redécouvrir des méthodes de travail ou des outils aujourd'hui disparus. La trépineuse, c'est un cheval. Cheval qui marche sur un tapis roulant, qui entraîne la batteuse. Il fallait un cheval assez lourd et il ne marchait pas plus d'une demi-heure. Alors pour le faire marcher, il fallait bloquer le frein, le faire monter, parce qu'il ne pouvait pas monter autrement. On mettait un bois derrière et puis on desserrait le frein, c'est parfait. Sur de longs cylindres, battage à manège ou chapuserie, Raymond Bonin propose à ses visiteurs un voyage dans le temps au cœur du bocage.